Hey les salamèches, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Pokémon Origins. La dernière fois, on avait été bloqué dans ce petit endroit. Et bien entendu, les développeurs du jeu, je leur ai envoyé ma sauvegarde et ils m'ont gentiment débloqué. Merci à eux, merci à Silver en l'occurrence, puisque c'est Silver qui m'a débugué ma save. J'ai téléchargé la dernière mise à jour du jeu, il ne devrait plus y avoir de soucis avec le vélo, tout simplement. Bref, ce qu'on devait faire, il me semble, c'était retourner voir nos potes. Là-bas. Alors, comment ça s'appelait? Je sais plus, Rocambure, ou c'était la ville où on était, Rocambure. Je sais plus trop. J'ai oublié un petit peu le côté temporel. Par contre, on voit que il me semble que là, on est la nuit dans le jeu. Ou alors, il fait très très moche, mais je crois qu'on est la nuit. Alors, est-ce que l'heure à laquelle on joue influe sur le jeu? Je me demande. Parce que d'habitude, Pokémon Origins, c'est un jeu que je tourne toujours l'après-midi, c'est vrai. Et là, c'est vrai que c'est la première fois que je tourne le soir. Il est 22h. Enfin, il me semble que c'est la première fois. Il est 22h et voilà. Et donc, il n'y a pas plus... je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Oui, voilà, il est 22h. Donc, du coup, ça joue peut-être. Je pense que c'est ça. Ah, Rocambure, c'est bien ça. C'était Rocambure. Enti, c'est bien toi. Tu es revenu. Nous faisions un sang d'encre. Que s'est-il passé? Tu as réussi à t'en sortir et la confrérie de la Terre. Qu'est-elle devenue? Allons, calmez-vous. Je vais tout vous expliquer. Allons donc chez moi. Nous serons plus à l'aise pour parler. Et puis Harrison t'attend. En effet, Enti se rendit chez Marcus et y retrouva Harrison. Il leur raconta tout ce qui s'était passé, ainsi que les prouesses qu'il avait réalisées. Les explications s'éternisèrent, mais finirent par s'achever. Il pleut plus, en tout cas. C'est vraiment incroyable, Enti. Tu as été brillant cette fois encore. Je suis désolé de ne pas avoir pu te venir en aide, mais crois-moi, je n'ai pas perdu mon temps. Je me suis entraîné d'arrache-pied, et tu pourras bien vite constater mes progrès. Enfin, tout finit bien. Voilà encore un village qui ne souffrira plus des confréries. Ici aussi, la vie est redevenue paisible. D'ailleurs, vous l'avez sûrement remarqué, les travaux de réparation des habitants sont terminés. Tout est redevenu comme avant. À propos, avez-vous pu parler à Gensil pour connaître notre prochaine destination? En effet, il ne reste qu'une ville sous la joue de la confrérie de la Terre. Dans cette zone. Il s'agit d'Azuropolis. C'est une grande ville qui se situe au bord du fleuve du Zéphyr, ce vaste cours d'eau, qui se jette dans l'océan Amarezan. Et cette ville étant beaucoup plus grande que les villages que vous avez libérés jusqu'à présent, il y aura sûrement beaucoup plus de fidèles. De plus, ils ont dû grandement renforcer leur vigilance. Oula, j'ai un renvoi chelou. Je doute qu'il soit judicieux de retenter une infiltration. Vous avez raison. Ça ne marchera pas deux fois. Il faut trouver une autre solution. Je propose que nous nous rendions sur les lieux en restant à distance de la ville pour examiner la situation. Nous trouverons peut-être une solution sur le terrain. Oui, je ne vois pas de meilleure solution pour le moment. Vous pouvez approcher Azuropolis par la route 5, qui part de l'ouest de Marezan. Mais surtout, ne tentez pas de folie. S'il se passe quoi que ce soit d'alarmant, revenez à Rocambure immédiatement. Si vous vous faisiez prendre, ce serait dramatique. Ne vous inquiétez pas. Enti et moi avons fait des progrès. Nous ne nous laisserons pas faire. Bien, je vous fais confiance. Votre héroïsme n'est plus à prouver. Alors, vous n'avez plus qu'à partir vers Azuropolis. Marcus, je me demandais... Quoi? Qu'y a-t-il, Enti? À vrai dire, je commence à douter de tout ce qu'on fait. Est-ce vraiment une bonne idée? Est-ce vraiment... j'ai cliqué en dehors du truc. Est-ce vraiment une solution? Je ne pense pas qu'on va pouvoir continuer longtemps à arriver à l'improviste dans les camps et en chasser les occupants. On doit faire qu'attiser le courroux des confréries. Est-ce vraiment la bonne solution pour apporter la paix? Et puis... Nous savons si peu de choses à leur sujet. Nous ignorons presque tout. Des origines de ce conflit et de leurs véritables intentions. Nous agissons à l'aveugle. Enti, je comprends ta remise en question.
Mais croisant mon expérience et celle de Gentil, il a médité des années pour chercher une solution. Et pour lui, tu es la solution. Accompagné d'Harrison, vous pourrez accomplir des miracles. Je suis la solution. Je commence à en douter. Je ne sais même pas qui je suis. Comment pourrait-on être sûr de quoi que ce soit à mon sujet? Je comprends que ton amnésie te trouble, mais tu peux nous faire confiance. Nous sommes là, avec toi, à présent. Tu as perdu tout souvenir de ta vie passée, mais cela ne doit pas t'empêcher d'en construire une nouvelle. De repartir sur de bonnes bases. Vous avez sans doute raison. Mais il y a tant de choses que je me demande encore. Qui étais-je vraiment? Que faisais-je dans cette vallée? Et cet homme masqué qui semblait me connaître? Je suis certain qu'avec un peu de patience, tout finira par s'éclairer. Ne t'inquiète pas. Ton existence est emplie de mystères, mais tu parviendras assurément à les résoudre. Allons, Enti. Ressaisis-toi. Sois certain que nous agissons pour la bonne cause. Je te le certifie. Pense à tous ces habitants qui te sont reconnaissants de leur avoir rendu la liberté. Vous avez sans doute raison. Excusez-moi. Je ne savais plus trop où j'en étais. Mais vous m'avez remis les idées au clair. Allons, nous comprenons à quel point il est difficile pour toi d'avoir tout oublié. Nous nous serrerons les coudes dans l'adversité, ne t'en fais pas. Merci beaucoup, les amis. Allez, il est temps de nous mettre en route pour Azuropolis. Ensemble, rien ne pourra nous arrêter. Garde toujours confiance en toi, Enti. Je pars devant, rejoins-moi. Ok. donc on va pouvoir s'en sortir tranquille. Allez, Enti. L'heure n'est plus à la remise en question, il faut avancer à présent. Tu dois accomplir ton but, c'est ta destinée. Et aussi le seul moyen de savoir qui tu es. Alors va rejoindre Harrison et partez répandre la paix. Gentil et moi, nous comptons sur vous. Ouais, vous avez raison. Il est temps de que nous partions. Qui sait ce qui nous attend? Merci pour tout, Marcus. À bientôt. Au revoir, Andy. Bonne chance à vous deux. Le dialogue qui durait 5000 ans. Le dialogue qui durait 5000 ans. C'est celui-ci. Qu'est-ce qui se passe? Il commence à douter. Patience, il n'est pas encore mûr. Cela va prendre du temps. Mais il faut laisser la graine du doute germer dans son esprit et déforer son âme. Le doute et le désir de vengeance sont les deux plus grands maux en ce monde. Ils ont causé la perte des héros les plus preux en apparence invincible. Le pire ennemi de l'âme, c'est l'esprit instable de l'être humain. Nous sommes donc tous deux atteints des plus grands maux spirituels. Mais lequel de nous deux succombera en premier? Parle de qui? Harrison? Aurais-je la force de résister? Il en va de mon honneur. Après tout, nous sommes retenus par un lien immuable. What? C'est chaud. Parle de qui? C'est mon copain. Après toutes ces années... Arrête, ça se trouve, on est en couple. Enti et le blond. Après toutes ces années... Es-tu vraiment sincère? C'est possible. Tu ne pourras te cacher très longtemps. Jusqu'où es-tu prêt à aller? Pour satisfaire tes intérêts personnels. What? Est-ce bien toi? Je dois répondre en fait à chaque fois ou ça se passe comment? Enti, je suis sûr on est en couple, arrête. Arrête, je suis sûr on est en couple avec le bon. Enti, quelque chose m'est revenu à l'esprit. Quoi donc, Harrison? Que se passe-t-il? N'aurais-tu pas oublié de récupérer Celeroc dans la mine une fois que les fidèles avaient fui? Nous devons la rapporter à son ami.
C'est les rogues, je l'avais complètement oublié. Avec toutes ces histoires, ils l'ont peut-être emmené, mais rien n'est moins sûr. Ils sont partis dans la précipitation. Peut-être est-il toujours dans la mine, il faut qu'on y aille. Qu'on aille y jeter un œil. Avant de nous rendre à Azuropolis. Nous irons mener quelques recherches dans ces galeries. C'est d'accord, je ne le laisserai pas tomber. Alors qu'on l'avait presque retrouvé. Parfait. Alors retrouvons-nous là-bas. À plus tard. Ok, donc c'est mon copain. Ok, partons de là. Nous sommes en couple. Voilà, un couple classique. Bien entendu. Est-ce qu'il y a un centre Pokémon je sais plus. C'était là qu'on pouvait aller soigner les Pokémon, c'est ça? Sauf que c'était ici, on pouvait aller soigner les Pokémon, non? Non, on pouvait pas les soigner. Il n'y a pas un truc dans le genre comme ça. Attends. Je suis sûr que tu trouveras de ma... Oui. Bien, patiente un instant. Voilà, c'est ça. Bon, moi, je voulais soigner les Pokémon. Et ben voilà, on les a soignés tranquillement. C'est parti. Allez, bon courage pour la suite. Et ben voilà, tranquille. Bon, il est 22h, donc du coup, je parle en mode poseille. Parce que déjà, d'une, j'ai pas envie de déranger les voisins. Ce qui est normal. Mais voilà, et puis aussi parce que, bah voilà, un petit épisode plus calme, ça change parfois. D'autant que vous avez été pas mal à vous plaindre que j'ai beaucoup craché sur le jeu. Quand je crache sur le jeu, c'est pas totalement sincère, étant donné que je sais la difficulté que c'est de faire un jeu Pokémon, enfin du moins de faire un fangame, même s'il y a quelques facilités dues au starter kit qui aident quand même pas mal. Mais J'avoue que des fois j'abuse peut-être un petit peu. J'abuse peut-être un petit peu, mais voilà, c'est pas méchant. C'est pas dans un but d'être méchant. Alors je sais plus, c'est W et Q qu'on avait mis. C'est ça. Là on a W. Si j'appuie sur W, non, faut que j'appuie sur Q alors pour aller plus vite. Ok, on va sauvegarder là, parce que je me dis si on se retourne dans un machin. Faut faire attention. En tout cas, ça va très vite. En plus, on évite les herbes. Énorme. Non mais, sans déconner, on va devant la mine. Ah si, il y a quand même des Pokémon. Un Emolga. Ouais, ben on n'en veut pas de l'Emolga. Hop. Fuite. Alors par contre, le Celerog, je sais plus exactement où il était. Ah, te voilà, Inti. Bon, je t'attendais. Partons explorer la mine. On va se séparer pour avoir plus de chances de retrouver Celerog. D'après ce que tu m'as dit, c'est un vrai dédale. J'espère qu'on ne va pas s'égarer. Celerog doit être terrifié. S'il est perdu à l'intérieur, il est temps d'aller le chercher. En avant, est-ce que vous pensez qu'il est au même endroit qu'il était avant? Je sais pas du tout. On peut pas utiliser le vélo, j'imagine. Hop. Je suis quand même testé, on sait jamais. Il vaudrait mieux éviter la bicyclette à cet endroit-là. Ok. Donc on ne peut pas utiliser la bicyclette. Bon, très bien. Donc on va devoir y aller au feeling. Bon, il va falloir être plutôt... Non, je me trompe tout le temps. C'est par là. Hop. Il va falloir être plutôt intelligent. Alors. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on y aille par là. On va aller tout au fond parce qu'à mon avis... Si c'est réfugié quelque part, c'est au fond de la mine, clairement. C'est clairement au fond de la mine, c'est pas autre part. Donc, ouais, pour moi, il s'est réfugié au fond. Hop. Vous savez, vous me faites beaucoup rire dans les commentaires parce que il y a une moitié des gens qui font. Ouais, Inti, il faut XP tes Pokémon. Et il y a une autre moitié des gens qui fait. Ouais, Inti, il se passe rien dans un épisode quand tu fais des combats sauvages. Mais alors, si je fais des combats sauvages, c'est justement pour éviter d'avoir à galérer après contre des joueurs. Contre des joueurs, contre... Ah, super. Contre des Pokémon, quoi. Donc je pense pas que utiliser une attaque pistolet à eau pour tuer un Pokémon soit très préjudiciable, quoi. Voilà, c'était juste la petite information. Hop. On va aller par là. Il me semble qu'on peut encore descendre d'un cran peut-être. On va voir sur quel Pokémon on tombe.
Bien entendu, quand on switch sur un Pokémon de type eau, on tombe sur un Pokémon comme ça, c'est superbe. Bon, bah, tu sais, choc mental, allez. Parce qu'il est un peu poison quand même, Nosferapti. Alors du coup, autant lui faire quand même plutôt pas mal. Hop, 100 points d'expérience. Superbe. Tac. Alors là, ça doit être là juste, juste en bas. Ah, c'est ça. On va passer par ici. Je pense qu'il est, je pense qu'il est au fond. Hein. Clairement, moi, c'est là que je l'aurais mis. Enfin, c'est là que je serais allé me réfugier si j'avais... Oh, non, si j'avais eu peur, je serais sorti de la mine. Mais je ne suis pas un Scélérock. Ouais, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ne suis pas un Scélérock. C'est même étonnant, mais ouais. Et donc, du coup, je n'ai pas le... Bah, je ne suis pas un Scélérock, quoi. Pistolet à eau. Il a fermeté ou pas? Il a fermeté, bien entendu. Jet de pierre. Est-ce que ça fait vraiment mal? Ça fait un peu mal quand même. On va terminer par griffe. Donc il faut qu'on trouve le Scélérock. C'est vraiment triste qu'on l'ait pas pris la dernière fois. On aurait dû le prendre la dernière fois. Sauf comme ils découpent ça en chapitres, c'est un truc qu'ils avaient totalement oublié de mettre dans le jeu. Et du coup ils se sont dit, ah bah faut qu'on retourne le chercher au chapitre suivant, hein, ça m'est obligé. Je sais pas. Hop, Tarinor. Attaque pistolet à eau. Superbe. Ah, ça ne met pas KO du tout. Ça ne met pas KO du tout. Pas du tout, du tout. Je touche le pied, en fait, du micro. C'est ça que vous entendez résonner, en fait. Parce que j'essaie de me placer. Voilà, comme ça, là, je suis bien. Hop. Par là encore. C'est encore par là. Hop. Là, il me semble qu'il faut continuer à droite, mais je suis pas sûr. On va voir. On va voir, on n'est pas sûr. Racaillou. Racaillou niveau 15. Pistolet à eau. Tranquillement. Tranquillement. Voilà, parfait. Il avait pas fermeté celui-là. Ce qui est plutôt cool. On va partir par là. Moi, je pense... Ouais, c'est par là. C'est par là, je reconnais ce caillou. Et je rigole pas, en plus. Vous pourriez croire que je rigole, mais non, je ne rigole pas. Étonnamment. Hop. Ah, Archéomir. Ben, on va fuir. On va fuir parce qu'on n'est pas très très fort face à lui. Hop. Là, on va descendre par ici. Ici, il y avait plein d'explosifs la dernière fois. Mais là, il n'y en a plus du tout. Il n'y en a plus du tout. Racaillou. Allez, pistolet à eau. C'est histoire de faire monter un petit peu psychisme. Hein. Toujours sympathique. Puis ça prend pas plus. Ça prend pas de temps, plus de temps que ça. Plutôt que de fuir. Ma phrase n'avait pas vraiment de sens, mais c'est pas grave. Hop. Encore un racaillou. Et oui, je vais encore lui faire pistolet à eau. C'est parti. Et cette fois, il a fermeté, je suis sûr. Voilà, j'en étais sûr. J'ai senti qu'il a fermeté dans ses yeux. Dans ses yeux, j'ai vu la fermeté dans ses yeux. Hop. Bon, j'espère qu'il est là, le Scélérock. Je pense qu'il est là. S'il est pas là, c'est très bizarre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on cherche dans toute la caverne. Et ce serait un peu triste parce qu'on n'a pas de repousse. Ce serait un peu triste. Même si on pourrait, dans l'idée... Ouais. Dans l'idée, on pourrait utiliser une corde sortie, se rendre à la ville. Se rendre à la ville. Vibre à quoi? Oh, carrément. Carrément, vibre à quoi, c'est 60, pistolet à eau c'est 40, donc on ne va même pas se poser de questions. Mais ouais, se rendre à la ville et aller au centre Pokémon. Mais on va voir, je pense qu'il est là, le Scélérock. Eh ben, pas du tout. Pas du tout. C'est vrai qu'il est que dalle là.
Donc qu'il soit là, bien caché, quoi. Ouais. Et ben d'accord. Est-ce qu'il serait allé se cacher à l'endroit au fond, là-bas? Pensez qu'il serait allé se cacher là, à droite? Pensez que c'est possible? Ça me paraît très chelou, quand même. Bon, vous me direz, il y a des endroits qu'on n'a pas visités dans la grotte. Non. Bon, il y a encore l'uniforme du mec. On n'est jamais allé par en haut, là. D'accord, donc il faut trouver Celeroc dans toute la grotte. Ça va être très facile, ça, hein. Encore une mission super simple. Encore une mission super simple. Non, ça va être compliqué, ça va être compliqué de trouver Celeroc dans la grotte. Ça va être très très compliqué tout ça. Vibraquois. Hop, fermeté. Ah, cette fois au moins les Vibraquois le mettent quasiment KO. Hop. Alors, on va monter, on va voir ce qu'il y a en haut. Si ça se trouve il est juste en haut. J'y ai pas pensé, mais si ça se trouve il est juste en haut. Ou pas. Ou pas, il est peut-être pas juste en haut. Ça monte vite hein, quand même l'XP, ça passe hein. Ça passe pas mal hein. Fermeté encore. Ok. Ça le rend confus. Ah, j'ai cru qu'il allait se blesser dans sa confusion. Ça aurait été cool. Ça nous aurait permis de le mettre KO sans souci. Mais c'est bien parce que Vibraquois, ouais, ça rend confus. Donc ça rajoute quelque chose de sympathique. Mais oh. Bon, celui-là je le fuis hein. Fuck it, je le fuis. Hein, on va pas... Oh, il y a un moment, quand c'est tous les pas, on a des soucis. On a des petits soucis. Puis un niveau, c'est déjà pas mal. Il a fait gagner un niveau pendant l'épisode, c'est bien. Un niveau complet, d'ailleurs. Puisque l'XP était à ce niveau-là. Ok. Bon, c'est là que ça va devenir un peu chiant parce que du coup on sait pas où est-ce que c'est. Du coup, bah, on va se balader un petit peu dans les grottes. Hein. Allons-y. Hein. De toute façon, on n'a pas d'autre chose à faire. Hein, donc, baladons-nous. Baladons-nous. Même si je me demande si c'était pas en haut en fait que le Celeroc était. Même si il me semblait que c'était en bas à gauche là. Le Celeroc qui était retenu. Ouais, il me semble qu'il était retenu bah, à l'endroit où j'étais tout à l'heure, quoi. Puisque même que le héros, il avait dit, ouais, il faudra qu'on s'en souvienne. Parce que si on s'en souvient pas, ça va être caca. Et c'est vrai que, j'avoue que... Ah, bon, vous m'aviez dit que j'allais me perdre dans ces grottes, bah voilà. Voilà, c'est là que je me perds, parce que bah, je ne sais pas où aller exactement. Donc forcément, je me perds un petit peu. C'est la tristesse du truc. Ah, c'était qui là à droite? Il y avait un truc à droite. Il y avait un truc à droite, je suis sûr. Des plumes. Je crois qu'il y avait des plumes. J'ai vu des plumes. Vous avez vu des plumes, vous? Oh yeah. Ah non. Ah cool. C'est bon, on l'a trouvé. Ah, on gère. On gère. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans le prochain épisode. Pour la suite, et je pense qu'on peut capturer ce minotaupe. Je suis pas sûr. On verra dans le prochain épisode. Allez, en attendant, n'hésitez pas à laisser un pouce vers un commentaire. N'oubliez pas, restez comme vous êtes, car vous êtes super. Bye tout le monde.